Salut à tous, c'est les artificiers du 80 en présence de Lucas du 80. Salut, salut. Et Julien du 80 moi-même. Alors aujourd'hui, on va vous présenter la grosse réserve de pétards. Voilà. On va le faire tout le monde donner. Donc on va commencer sans attendre les fusées. Voilà, donc nous avons un assortiment de fusées Space Machine. Voilà. Donc voilà, des fusées Crossfire, voilà. Des grosses fusées comme ça. Alors normalement il y a une rampe. Une rampe, ouais, de lancement. Et deux petits allumeurs ici comme ça. Voilà. Ensuite nous avons des fusées sifflées couleurs. Donc deux packs. Voilà, plus quelques-unes là. Donc voilà. Ensuite nous avons des fusées bzzz. Donc voilà. Assez sympa. Deux packs toujours plus deux. Des fusées multicolores. Voilà. Voilà, des fusées lucioles, donc nous avons 4. Voilà, assez sympa aussi à faire. Ah ouais, franchement. Des fusées pétards volants. Voilà, donc ça c'est bon, c'est pas impressionnant. Voilà, c'est. Voilà. Aussi, ensuite, on en a des sifflets pétards, mais. Nous passons aux chandelles. Donc nous avons 2 chandelles maxi 5 coups. Voilà, donc plein et tout. Voilà, une chandelle romaine 10 effets multicolores. Voilà. Et un paquet de 3 des chandelles Easy Shot monocou. Donc voilà. Étoile blanche, étoile rouge et bleue et étoile verte et violette. Ensuite, nous passons au compact. Nous avons un compact Punk 48. Voilà, Charlie. Ensuite, un compact Charlie. Charlie, voilà. Ensuite, un compact Solo. Deux compacts Jolie Bertha. Voilà. Et un compact Hardy 100% feu. Celui-là, c'est le top du top. Regarde, comment. On filme. Ensuite, nous passons au compact Typhon 25. Voilà. Donc voilà, nous avons 3. Il faut faire très attention parce que ça part dans tous les sens. Ouais. Ensuite, nous passons aux fontaines. Donc nous avons une fontaine Maxi Turbulence. Un lanceur pluie d'acier et deux vulcans. Ensuite, nous avons des super fontaines sifflantes turbulences. Donc nous avons 2. Deux fontaines domino 1. Voilà. Une fontaine crescendo. Une fontaine multicolore. Ok. Après, un vulcan midi. Okay. Donc assez gros. Deux petits vulcans Fridlistone, truc dans le genre. Deux fontaines à gâteau. Voilà. Donc ensuite, nous passons au rayon fantasy. Ah oui, nous avons oublié les. Donc deux bâtons d'allumage. Voilà. Plus ceux qu'il y avait dans le pack de fusée là-bas. Alors, des torches. Donc c'est du calibre 35 à 50 mm. Voilà, donc des assez grosses torches. Il y en a 6, plus les petits ronds qui servent à protéger la main. Voilà. Ensuite, nous passons au rayon fantasy. Donc des fils fous. Voilà. Donc 5 pièces. Des clignoteurs pyrotechniques. Donc 4 pièces. 2 paquets d'œufs de démons crépitants. Donc 6 pièces dans chaque paquet. Des mini vampires, donc déjà utilisés. Il y en a 4. 4 pièces dans chaque paquet. Voilà. Des néons mini bengales. Donc ça, c'est la première fois. On va tester. On sait pas trop ce que c'est. Ensuite, nous passons au pétard. Donc nous avons 5 démons sans coup. Ça, voilà. Je pense que c'est un peu. Grande mitraillette. Hein. Ensuite, nous avons des mitraillettes Tigre Z. Donc 40 coups. Voilà. Après, des machine guns 40 coups. Donc de chez Démon maintenant. Et un fumigène. Une minute orange. Voilà. Donc, voilà, faire deux jours. Ouais. Donc ensuite, nous avons des démons numéro 1. Donc voilà. Voilà, des petites boîtes comme ça. Ensuite, des E4 de chez Tigre. C'est l'équivalent des super démons. 10 pétards dans chaque paquet. Ensuite, nous avons des paquets de super démons, donc des paquets différents. Voilà, donc 20 pétards dans ces paquets-là et 10 pétards dans ces paquets-là. Voilà, chez ensuite, nous avons des bisons 1 de Tigre de chez Démons. 6 pétards dans chaque paquet. Voilà. Alors, toujours des bisons 1 mais de chez Démons. Donc des king size. King size. 6 pièces par chaque paquet. Ensuite, des démons géants. Voilà, donc 8 pétards dans chaque paquet. Voilà.
On a plusieurs paquets. Ensuite, des super bisons K1. Donc, c'est beaucoup plus gros que des bisons K1. Regardez la différence. Voilà. Ensuite, voilà. Nous passons au XX large. Donc, classe en K1. Voilà. Après, on a des X large, mais on les a pas mis là. Voilà. Ensuite, nous avons des Démon Bing Bang. Donc, l'équivalent des bisons 2. Voilà. Donc, de chez Démon, 4 pièces dans chaque paquet. Ah oui, nous avons oublié les démons siffleurs. Ah oui. Donc faut faire très attention pour pas rester devant. Voilà, donc 8 pétards dans chaque paquet. Voilà, ensuite nous avons des démons magnum, des bisons 3. Voilà, donc démons. 4 pétards dans chaque paquet. Des bisons 4. Donc voilà, donc 2 chez tigre. Tigre, donc, et en dessous on a 2 chez corsaire. 4 voilà. Pétards. Donc on en a 3 paquets. Un paquet de bison 5, donc ça il nous manque le bison 6. Ouais, donc deux chez Tigre, donc voilà, 3 pétards un paquet. Dans chaque paquet. Ensuite, une boîte de Corsair Flashing Thunder. Donc on sait pas trop ce que c'est, mais bon. Et voilà. On mettra sûrement en vidéo, donc vous verrez. Ensuite, je pense qu'on a oublié les triple bangs. Ah oui. Donc une petite boîte de triple bang. Des jantes, mais voilà. Donc 10 pétards dans chaque paquet et c'est à gratter. Voilà. Donc c'était notre grosse réserve de pétards pour on va dire pour 3 mois. Voilà. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à poser des questions sur certains pétards. Alors commentez la vidéo, abonnez-vous, mettez un j'aime si vous avez aimé. Ciao ciao. Ça fait très plaisir. Ciao. Nous sommes déjà nombreux. Ciao.